Bonne chance. VRP autotune. Ouais, je vais à O2. Si tu veux venir me tuer, je vais là-bas. Ah oui, j'ai besoin de me mettre sous respirateur. Fais plus jamais ça. Il m'a fait tellement peur. C'est qui? C'est Antoine Ockham. Regarde, Lilwell va me tuer. C'est un download de merde. Ça, c'est souvent là que je meurs en plus. Oh là là, si je crève ici, personne me trouvera. Et j'aurai même pas d'obsèques. Me tue pas. C'est qui? Ah. Qu'est-ce que tu fais, Gomard? T'as hésité? Qu'est-ce que tu fais, Gomard? Il y a Gomard qui... Alors, sachez qu'il y a Gomard qui fait des allers-retours et qui hésite visiblement à tuer Ultia parce qu'elle savait pas s'il y avait des mondes qui arrivaient. Mais ce fout de ma gueule, mais j'auto-check les gens, mais c'est une blague, là. Je vais avec Croco. Y'a quelqu'un ici? Dégage. Ah, c'est ça. Ah. Distanciation sociale, c'est qui, SMV? C'était ce petit garnement avec sa chemise hawaïenne. Quelle idée de porter les chemises hawaïennes, vous voyez bien qu'il neige. Allez, mamie va jouer un petit peu au mot croisé. Attends, mais là, c'est où, là? Oh non! Apparemment, ça fait longtemps. Oh, le petit Xavier est mort il y a longtemps, en tout cas. Non, Xavier est mort depuis un moment parce qu'on avait check les vitals et au moment où on a recheck avec qui c'était, Croco, Domingo, je sais plus qui, je suis remonté en haut et il y avait Ponce juste au-dessus. Mais le petit Xavier est même mort avant ou pendant les lights parce que quand je suis allé à Coms pour voir s'il y avait son corps, j'ai trouvé ce petit galuro avec ses chemises hawaïennes. Ça m'a l'air d'être une situation vraiment mal partie. Oh là là. Mais donc, c'est JDG. Mais non, il était dans les salles de communication. Il passait un coup de fil à son papy. Mais c'est pas, mais pas du tout. Je sais même plus où j'étais avec vos conneries. Mais je suis où en plus? Ah oui, je suis à laboratoire. Ça me semble être une défense un peu faible. Mais il y avait qui avec nous à Vitals quand je suis partie là? Il y avait Domingo. Moi, j'ai croisé personne. Quand j'ai regardé les Vitals la première fois et que j'ai vu que Xavier nous avait quittés, je crois que j'étais avec Little Big Whale et Ponce d'ailleurs. Moi, je vous propose de skipper parce que de toute façon, il reste que 15 secondes et on va faire des bêtises. Moi, je pense que c'est trivia, mais j'ai pas encore d'infos. Pourquoi? Bah, super. Je pense que c'est trivia, mais je n'ai pas de preuves. Ouais, moi, je pense que c'est trivia parce que je l'emmerde. Qui était en rapport Quoi avec toi? Qu'est-ce que j'ai entendu? Je suis dans mon rentrée de nain. Oh, la gourgandine! Ok, les amis, soyez vigilants surtout. Ah, mon petit badge. As-tu cédé, JDG? Quoi? Ton pomme! Je vais faire la lave, ok? C'est le retour du nain chiant. Et putain, ah merde, chaussette! Ouais, c'est ça. Y'a quelqu'un à caméra? Y'a personne? Et là, je vais tomber sur un os. Ah là, c'est bon. Oh mon dieu! Mais. La gourgandine a dit. Ah! Ah! Putain. Tu m'as fait sursauter, bordel! Oh aïe 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 aïe! Je viens de tomber sur quelque chose d'incroyable! C'est terrible! Je remontais du musée où je suis tombé sur un ordinateur qui me demandait de compter jusqu'à 10. Je ne suis quand même pas sénile. Et je remonte le couloir. Et là, je vois deux gourgandines autour d'un cadavre avec une en rouge qui est en train de hurler parce qu'elle essaye de me percer avec son couteau. C'était Ultia et Gomard. Tati, il va falloir se calmer tout de suite. C'est honteux. Je viens de vous voir tuer Jean Castex sous les yeux. Et donc, il était là, le premier ministre. Je crois que tu as la voix qui tremble, Ultia. Je suis pas sûre, mais... C'est honteux ce qui vient de se passer. Il faut arrêter ça, pas... ces gourgandines sont de mèche. Hey, Gomard, t'as perdu le bouton pour parler? Non, mais je sais même pas comment vous expliquer que c'est MV. Oui, c'est pas... Avec Admin, je peux valider parce qu'il y avait une personne spécimen et quatre personnes laboratoire. C'était MV qui était spécimen, donc il est bien remonté. Donc les deux personnes laboratoire, on slash les deux autres. Et tout à fait. J'ai fait le A10 sur le computer. Et genre, il s'y attendait pas du tout. Mais du coup, dans le sas, il était en train de danser sur le cadavre de Jean Castex. Et nous, on arrive à ce moment-là. C'est honteux. Bah, je sais pas où est le deuxième, moi. La gourgandine en rouge, j'étais en train de hurler car il était même pas foutu d'égorger une mamie. Ça serait stupide de la part de MV de faire un call sur deux personnes. Non, mais oui. Non, mais on vote Gomard et après on vote Ultia et après on fait Yugen. Oui, et bah la petite souris ne passera pas. Vous avez été très méchante. Deux votes sur MV, ça veut dire qu'MV était innocent. Mais quel bordel. Non, mais Croco, Mastermind, l'autre. Bah non, mais forcément les deux imposteurs ont voté MV. Vous aviez qu'à faire des voix rigolotes, on vous en avait davantage cru. Je pense que mamie a sa première petite VHS en tant qu'innocente.
peux me tuer avant qu'on te... Ouais, Ultia, on te surveille. T'as un bracelet électronique. Très bien, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut appuyer sur un interrupteur. Ah bah bien sûr, c'est comme la lampe de chevet, n'est-ce pas? Pour lire le dernier livre d'Eric Zé... Pour lire Jeanne d'Arc. Je vais aller faire laboratoire. Et surtout, si vous en avez marre de la... Je suis en excellente santé, bah oui, comme prévu. Excellent. Bien entendu, tout va bien. Je propose de rester ensemble, comme ça insupportera le chat avec... Bah oui, faites attention, c'est peut-être un lupus, j'ai vu ça sur internet, j'ai suivi un lien sur Facebook. Ah, sur doctissimo.com, ils disent que j'ai un cancer. Et c'est un lupus, sûrement, oui. C'est parti. Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, j'ai laissé les deux autres ensemble. Qui a éteint la télévision? Ah, c'est bon. J'ai vu Ultia, elle est là, elle partait. Qui ça? S'il y a un cadavre, il est par là. Ah! Bon alors, quand même! Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait mon scanner, j'ai vu que j'étais en excellente santé, puis ensuite quelqu'un a coupé la télévision, alors ça m'a révolté. Je suis allé vers les coms. Et puis je me suis rappelé, mais oui, mais c'était les deux gourgandines, je m'en souviens, elles sont ensemble, alors pourquoi personne n'appuie sur l'interrupteur? Ah bah je ne sais pas, moi. Je voulais qu'elle fasse un kill avant de se faire buzzer. Alors écoutez, la situation est très simple, j'avais laissé Domingo, Croco et Ultia ensemble, Domingo est dans un bateau, il est tombé à l'eau, et du coup, c'est Ultia. Je sais que c'est une histoire bizarre, mais... Je me suis pas voté moi-même, puisque je vous rappelle que j'ai vu MV tuer dans le sas avec Goma. Ah oui, c'est vrai. En vrai, c'est super simple, si on vote pour Ultia et que c'est pas fini. Franchement, c'est un giga crack, mais c'est parce qu'il a la voix de Tati. Non, j'ai toute ma tête, je viens de passer mon scanner et tout s'est bien passé. Tati, vous êtes sénile, arrêtez s'il vous plaît. Et lui, le petit avec sa chemise, ah ouais, il m'a vu faire le scanner. C'est vrai, je confirme que j'étais avec MV pendant très longtemps et il aurait pu me zigouiller là. Voilà. J'en peux plus de vous. Alors, du coup, le petit à la chemise hawaïenne est prié. Oui. De voter, s'il vous plaît. Ok. Ah, ça, c'est vrai. Vouloir jeter les vieux sous les rails d'un train en marche. 70 ans, il détruit la game, c'est beau. Bravo. Bravo. Gomar, elle était incroyable. C'est fini. Excellent. On fait encore crewmate. Putain, c'est insupportable. Pour moi, moi aussi. Oh mon dieu! Déjà. C'est vous pensez? Qui est allé là-bas? Non. Non plus. Il y a une personne qui ment. JDG, t'es où? Je suis à côté de tout le monde, littéralement au-dessus de caméra. On est d'accord, on était ensemble, Ultia, et toi t'es monté à l'entrée de labo plutôt que rentrer dans labo. Oui, et en fait. Je cherchais Xari en fait. Domingo, il était où? Okay. Vous allez à gauche, juste au truc devant les cams là. En gros, il reste Ultia, Xari, JDG, vous êtes où? Moi, au début, je l'ai sur ce kill, on a rien fait. Moi, je peux confirmer qu'il y avait MV à gauche parce qu'il faisait des bruitages érotiques dans mon oreille. Et puis, il y avait pas vu une personne arriver à gauche? Là, il y a Xari, c'est un peu chelou de descendre direct. Moi, je descends direct à tous les rounds, donc. Bon, masquipons. En vrai, il reste pas grand monde. Je vais là-bas avec l'ours. Attention. Pas de folie. Ouais, on va se faire défoncer. Oh, tu fais peur avec cette voix. Toi, ça m'explique. Supportable. Ça fait une soirée que tout le monde pète un câble. Oh, il est temps de faire couler les eaux. Ah, vous êtes en train de discuter de vos kills? Ouais, de ton kill, là, sur toi. Ouais, c'est, je m'en doutais. Au secours! À l'aide! Y'a personne là-haut. Jean Castex! Non, c'est fini. Oui? Domingo me courait après pour me tuer, sache-le. Ah, y'a Croco qui vient de vent. Croco, qu'est-ce que tu faisais sur la veine, Croco? Ouais, tu bafouilles, c'est toi le coupable. C'est plus rapide pour aller jusqu'à la caméra. Ah bah oui, c'est vrai que c'est logique, en fait. Non mais sérieusement, j'ai vu Croco sur la vente en fait, je déconne pas. Mais je suis sûr qu'il était vraiment sur la vente. Quelle raison il avait d'être sur la vente à part qu'il est vente? Ah. Alors... Je le dis à voix haute, sachez que j'ai vu Ponce qui était immobile en train de saboter. Voilà. Je fais des calls full random. Alors, tu vas me tuer, Ponce, hein, c'est ça? Mais parce que ça sert à rien de me tuer parce que j'ai dit juste avant à Antoine que tu allais me tuer. Donc voilà, sache-le. Mais non, mais je comptais pas te tuer, je remontais voir qui était là. Ouais, c'est ça. Ouais. Y'a quelqu'un à caméra? Non, y'a personne. Aïe, aïe, aïe. Ah non! J'espère que je ne vais pas crever. Les lumières sont éteintes, ça sent pas bon. Ah non! Je me suis fait tuer par Xari comme prévu! Oh là là! Ça allait vachement vite là. Oh, la folie meurtrière! Mais ça va pas du tout. Attendez, le corps, je l'ai trouvé à labo. Moi j'étais avec Thanos la plupart du temps. Alors, Thanos, c'est lui qui tue la moitié des gens, c'est ça? Attendez, moi j'ai deux choses à dire.
J'ai vu Ponce et JDG ensemble à communication. La première fois que j'ai croisé Ponce, il n'a pas réagi à mon commentaire érotique, ce que j'ai trouvé extrêmement bizarre. Et sinon, j'ai vu Xari et Little Whale ensemble au moment où j'ai remis les lights. Ouais, et il y avait Croco avec nous également. Ouais, j'allais dire, Xari, t'es allé où après Xari est suspect sur le premier kill, faut pas l'oublier. Et toi, Little Whale, t'étais où Où? Là, maintenant? Oui. J'étais en train de me diriger vers les lights, je suis dehors. Il me semble que je suis entre communication et admin. Mais là, là, on est d'accord qu'il y a deux tueurs, là, en fait, c'est la merde. Oui, il y a deux tueurs. Ouais, 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 on est d'accord. Ouais. Ponce, il aurait eu l'occasion de me tuer, et MV peut-être aussi, je sais pas. Ou trois. J'ai croisé JDG. Avec... Moi, j'ai croisé Ponce, j'ai croisé MV, et de toute façon, tu crois vraiment qu'avec autant de kills, ça pourrait être moi? Non, je pense que c'est moi. Ça peut pas être moi. Bah, c'est trop... C'est... Y a moi, trop je me suis auto-innocenté, donc... Ah merde! Bien joué, vous êtes chaud en vrai. Ah, catastrophe! Ah bah, félicitations, hein! Bravo, Xari! Little Whale, Little Whale JDG. Oh non, ah, merde, mais j'avais dit en plus ça. Oui. Alors Xavier, c'était Little Whale. C'est passé. On est parti. Allez. Les méchants. Allez. Oula, qu'est-ce que vous faites tous les deux? Le cirque Zavata. C'est toi, Hubon, ça. Au parc municipal de 14h à 15h, le cirque. Maintenant, maintenant, Ponce, maintenant, Ponce. Maintenant, maintenant, kill pour le double. Kill, kill, kill. Attends, on arrive là, c'est au secours. Kill, 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 double, double, double. Dégage. Et les yaourts en tête de gondole, moins 25%, il faut que ça parte, il faut que ça parte. Quoi? Il y a une promo sur le saucisson, et c'est ça? Une promotion, oui, madame, sur le saucisson également. Vous pouvez aller, deux achetés, trois offerts. Mais j'ai perdu ma souris, au secours. Où elle est, ma souris? Ah, putain. Saucisson également. Oh. Ah, what the... Oh, ouais. Ah bah, bah effectivement. Ah. J'ai on déjà vient de tué. Le voir à Vitals avec Gomar. Il est où, il est où? Quelqu'un voulait faire taire le forain. J'ai déjà, tu viens d'arriver. Je viens d'arriver à l'instant pour le coup, je t'ai vu à toi, j'ai vu le bouton report et pour après je t'ai entendu faire « Oh !» Mais c'est parce que c'est trop bizarre, en fait j'étais en train de faire ma petite quête. En gros le corps est vraiment au niveau, à gauche de la bibliothèque quoi. Bah, après, alors attends, 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 attends Ultia, oh. Je viens d'arriver, il y avait un cadavre à côté. Tu me feras pas croire que genre il n'y avait pas le bouton report à côté de toi. Bah attends, j'allais expliquer justement. J'étais pas... Pas, non, je sais, tu m'accuses pas, de toute façon, je venais juste d'arriver. Mais moi, par contre, bah, excuse-moi, hein, du coup, peut-être que je me trompe, mais je suis obligé de t'accuser. Je veux dire, j'arrive, t'es vraiment littéralement à côté du corps. Hein, le mouvement de recul que j'ai fait, le mouvement de recul que j'ai fait, c'est quand j'ai vu le bouton report, je suis revenu en arrière, quoi. Alors, excusez-moi, là, on a que 14 secondes, donc je finis quand même. Je n'ai pas vu le kill, mais je maintiens que la distance entre Ultia et le corps... Après, peut-être je me trompe, je sais pas, mais il a dit c'est non, vraiment bizarre qu'elle ait pas eu le report. Ouais, dommage. Je pense que j'ai une idée. Bon, on retient Ultia JDG pas loin du corps. Voilà. Je pense que c'est quelque... Ah oui, mais je viens d'arriver. Moi, j'ai merde. Vraiment vu JDG faire un mouvement de recul. Puis mais oui, revenir, parce que j'ai eu le bouton, bouton report qui s'est allumé. Je venais d'arriver. Ok, ok. Et toi, toi t'étais à côté, alors. Quoi. T'étais mais déjà alors, à côté. Coup, on est en train... Mais du coup, on est en train de. Peut-être on s'accuse tous les deux et on est tous les deux innocents, mais peut-être c'est toi qui es coupable. On ouvre la porte, s'il vous plaît, merci. Ah oh c'est Croco ou Ultia, c'est sûr. Non, ah bah, oui, c'est là, Ultia. Là, Ultia, ça fait deux fois, hein, pour ah, le coup. je me suis même pas rendu compte. De toute façon, si Ultia dit qu'elle n'a pas ouvert la deuxième porte, moi j'ai ouvert la deuxième porte, donc je n'ai pas l'écran pour tuer. Donc à partir de là, soit Ultia, tu dis que merde, t'as ouvert la deuxième porte. Mais vous m'entendez pas depuis tout à l'heure, merde. Et du coup, non. On est en confrontation. Oh, je suis dégoûtée. Alors, je disais, en gros, je disais que, comme l'a dit Gomar... Attends, c'est un stack kill. Donc ça veut dire que c'est ou Croco ou Ultia. Donc faut virer les deux, quoi, c'est au pire. Ou toi, ça peut être moi non, aussi. Non, ça peut être Gomar aussi. Et t'étais pas là, JDG, toi? Bah, moi, je suis complètement à l'opposé. Moi, je suis full à droite. Non, mais c'est soit Gomar, soit Croco, soit moi. Je n'aurais pas fait ce kill vraiment. Moi, là, pour le coup. Non, non, il faut voter Ultia, en vrai. Moi, je vote pour Ultia. En vrai, si Croco est si on peut se permettre. Excuse-moi, oui, moi j'ai voté Ultia. Vous faites une grave erreur, c'est pas moi. J'ai voté Ultia, mais si c'est pas Ultia, en tout cas, bah Croco. Bah, dans ce cas-là, c'est Croco. Bah, c'est pas moi. Antoine. Oui. Rien. ouais, mais je vais finir. J'ai ma dernière quête à faire à cette semaine. Après, j'en ai. T'es où? Bah, vas-y, je viens avec toi alors. Me tue pas. Me tue pas, hein. S'il te plaît. Ou sinon, attends au moins que j'ai fini de faire ma petite caisse. Voilà, je l'ai fini, tu peux me tuer si tu veux. Ok. Okay, merci beaucoup. Trop gentil, hein. C'est vraiment sympa de sa part, quoi. Bien slash la map, quoi.
Je viens de le voir sur Vital. Ah, je pensais que c'était Antoine, moi, depuis le début. Ouais. Bah, du coup, on fait quoi? On vire Croco comme on a dit au tour d'avant ou pas? Je pense que c'est pas Croco parce qu'il était avec moi pendant vraiment littéralement une minute. Il y a eu combien de kills? Il aurait pu me chlasser. Domingo et GDG, c'est ceux que j'ai le plus vu et ils étaient 100% safe le round d'avant parce qu'ils étaient là-bas. Je ne vais pas vous mentir, je n'ai aucune idée d'entre les trois. En plus, je pense. Alors, attends. Après, sauf une grosse erreur. Sauf une grosse erreur de ma part. J'ai quand même dénoncé Ultia qui je pense était imposteur. Attendez, mais moi, ce que je me suis dit c'est que une masterclass là. Ils ont voulu me doubler en fait. Une masterclass là. Moi je pense qu'elle m'aurait fumé, ça fait un bail là je pense. Je sais pas. On fait quoi? On est obligé de voter, Ouais, vas-y. Après, j'ai pas compris pourquoi Croco était safe après, mais. Écoutez, vu qu'on est avec. Bah écoute, on verra. Après, il vous reste des quêtes. C'était soit Trivia, soit Ultia, soit Gomar. Je sais qu'on a, qu'un imposteur dans tous les cas. Il fait quoi? Il reste entre les deux. Toi, tu peux pas me faire confiance, mais moi je vous dis que là il en reste qu'un à 100% maintenant. Puisque moi je suis sûr aussi qu'il en reste un. Bon, il faut qu'on bouge par contre. Bah ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On reste ensemble ou pas du coup? Ouais, on reste ensemble, c'est bien. C'est une masterclass. C'est une masterclass, messieurs dames. Incroyable de Fred là. Incroyable Fred. À tout de suite. Et c'est parti. Ça faisait longtemps. Et alors mes oignons, ils sont pas bons mes oignons? Eh bien aujourd'hui, si vous achetez un kilo d'oignons, le deuxième est à moins 50. Alors, allez, pas on fait qui pas les timides, c'est parti. Tu es MV en premier, s'il vous plaît. À l'approche des fêtes, madame, est-ce que vous avez pas envie de faire plaisir à votre petitot? Eh bien c'est possible, les Playmobil. Moins 25% sur les Playmobil. Et n'oubliez pas de participer à la tombola à la caisse. Vous pouvez gagner une thalasso à Mulhouse. Est-ce que vous avez envie de visiter Mulhouse? Non, putain, mais on veut pas visiter Mulhouse. C'est peut-être le moment de visiter Mulhouse avec la tombola. Quoi de... Ah. Attendez, juste... On peut safe un petit tas, là. Le corps est dans le couloir des lights, au 2. Je suis à l'opposé. Ah. Attends, qui est monté par les lights? Qui est monté faire les lights? VMV, j'ai fait les loin, lights, quoi. J'ai fait les lights. Je venais de dehors, de la droite. Non, tu venais de haut 2, MV. Ah, on ensemble. Je venais de haut 2, attendez. Non, j'étais sorti je suis sorti par en bas et j'ai fait le tour par la droite. Ah oui, d'accord, à ce moment-là. Oui, tout à fait, j'étais en train de parler de la thalasso à Mulhouse. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on l'a entendu de moi. J'ai vu un truc très étrange au départ. Je suis obligé de le dire. Hein. J'arrive dans le couloir. Ça n'a rien à voir avec le kill. Hein. J'arrive dans le couloir au-dessus de caméra. Xari est sur la vente. Il ne bouge pas. Les lumières s'éteignent et il se casse. Non, mais honnêtement, ça c'est une stratégie assez connue. Ça, c'est une stratégie de l'imposteur. J'essaie de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui profite de cette petite inattention pour essayer de me sauter dessus comme tu veux. Tu essaies de faire en sorte qu'un imposteur propose de ta stratégie d'imposteur. C'est bizarre. On était de labo. Alors, moi, Xari, il peut confier. À un moment, il a fait un move bizarre, mais je sais pas, peut-être il a eu peur de moi. J'avais un peu peur de toi, je vais pas te mentir, on était seul. Mais oui, je peux confirmer qu'il était labo JDG pendant au moins 1 minute, 1 minute 30. Moi, je save Gomar 100%. Bah, du coup, ce qui est c'est toi. Mais qui vote pour moi? La voiture immatriculée ZX634A est priée de quitter la place handicapée. Nous ne sommes pas des animaux et le supermarché est une fête. C'est insupportable. Bonsoir. Salut. Quoi? Oh le bâtard. Oh le putain, mais évidemment. Connard que... Mais évidemment. Il ça c'est... J'y suis. Jean Costa X. Ouais. Donc il était safe 100% Antoine. Effectivement. Eh bien, mes amis, j'ai trouvé le coupable sur le parking d'Auchan. En effet, j'étais avec Jean Castex. Ah vas-y, je te laisse parler, mon cher compatriote. Moi, je viens d'arriver, du coup, j'allais faire le truc sismique. Je vois le cadavre d'Antoine qui est sur le pont, du coup, du machin sismique. À droite. J'arrive, je fais un petit demi-tour, parce que comme je fais toujours quand il y a un cadavre, je regarde un petit peu en arrière pour voir si je vois quelqu'un. Parce que sinon, report si t'as pas d'informations, je trouve que ça sert à rien. Et du coup, ça se... Il a grave step-up en imposteur. Très bien. Eh bien, j'ai une toute autre histoire. En effet, j'étais avec Jean Castex et nous sommes allés salle de spécimens où je devais déplacer une palette de saucisses. Et on a remarqué que la porte s'était ouverte juste avant. Et quand on arrivait salle de spécimens, il n'y avait personne. Ce qui veut dire que c'était sûrement un coupable. Nous sortons car il y a l'alerte.
Antoine, je le quitte aux Vitals, car je veux regarder les Vitals avant pour voir s'il y a des morts. Il n'y avait aucun mort. Je regarde à peine cet écran et je rejoins la tour de droite quand soudain je vois mon bouton report clignoter et le JDG descendre et report. Oui, mais c'est exactement ce que je viens de dire. Ta version correspond à la mienne en fait. J'arrive pas à comprendre ce qu'il dit, enfin à me concentrer sur ce que tu dis, c'est infernal. Ouais, non, mais en gros, ce qui m'accuse, c'est d'avoir fait le demi-tour. Mais le truc, c'est que je suis sur un pont, je ne peux faire que demi-tour si je veux voir s'il y a autour. Oui, mais j'ai quitté Antoine il y a. Enfin, j'avais 4 secondes de retard sur Antoine. Y'a pas de veine, pas non ? Y'a une veine. Ouais, j'avais 4 secondes, littéralement 4 secondes de retard sur lui. À droite, y'a une veine juste. À côté, non, je crois, il me semble. Mmh, oui, il y a une vente à droite, il est vrai. Ouais. Mais c'est oh non, mais me dis pas qu'il va le retourner. C'est évident que c'est Fred. Moi, je te donnais ma version. Moi, je sortais du laboratoire. J'ai vu le bouton report, oui. Maintenant, je suis sur un pont. Sur un pont, t'as que deux sens, quoi. C'est où je vais vers le haut ou je vais vers le bas. Et du coup, jusque-là, ben, j'ai reculé ensuite pour voir s'il y avait quelqu'un, c'est tout. Et oui, ça sert à rien, effectivement, de faire demi-tour sur le pont d'où tu viens. Le report a eu lieu la seconde où j'ai aperçu le bouton report. Tu m'as vu, t'y allais quoi, hein, mon petit gars. Toi, tu vas pas aller à Mulhouse, hein. Vous allez pas me faire croire que, genre, quand il y a un bouton report, vous spammez immédiatement sans regarder ce qu'il y a autour. Non, pas clairement. J'ai voté JDG personnellement. Ah, non, mais le problème, c'est. Non, mais là, sinon, c'est. Le problème, c'est qui l'aurait tué et serait parti. Je conforte la version de MV, mais là, juste, je fais un aller-retour pour voir s'il y a des gens autour, quoi. C'est ce que fait tout le monde, je comprends pas. En parlant de confort, est-ce que je vous ai parlé de cette promotion sur les canapés? Ça peut pas marcher à tous les coups. Hein. Salut, Antoine. Mec, t'as grave step up en imposteur. Hein. Alors, j'ai une question. Quand tu skips, c'est pas la même chose que quand tu. Parce que moi, j'ai pas voté du coup. Parce que je pensais que ça skippait quand tu votais. Quand tu skips, c'est pas la même chose que quand tu votes pas. Non. Ah merde, je pensais que c'était pareil. Oh bah, tout ça pour ça. Bah, vous voyez, maintenant je le saurai. J'ai toujours pensé que skipper et ne pas voter, c'était pareil. Dans ma tête, je me dis, c'est pareil. Bah, du coup, non, je sais pas. Oui, mais jamais c'est là que moi, je peux pas savoir. Bon, je peux si pas c'était savoir, JDG, on n'est pas obligé de voter. Rien, de toute façon, mais... on est assis, c'est... je pense qu'il y a qu'un seul mec, donc au pire. Bah, j'espère. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sabote pour l'aider ou est-ce que je fous la paix? Je vais essayer de l'aider en sabotant au moins les portes. Je touche pas les trucs principaux, mais au moins les portes. Où est-ce qu'il est? Il est là-dedans, peut-être? Non. Je l'ai perdu. Je l'ai quand même perdu de vue. Ah, je suis navré. Hein. Je serais resté dans la game si j'avais skippé. Je suis navré. Perdu parce que. Merde. Bah oui. Aïe 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 aïe. Oh là là, il est incroyable. Incroyable. Bah écoutez, j'ai fait une bonne game imposteur. Bon, même si c'est évidemment, c'était au moins j'étais satisfait d'avoir au moins emporté Ultia avec une fausse accusation. Au moins ça, je suis satisfait. Ça, je suis vraiment satisfait. Il y a le petit kill sur Antoine qui m'a fait marrer. C'est le vrai avantage de ces machins, c'est que tu peux faire des punchlines avant de kill, quoi. Ça, c'est fun. Ça, c'est assez fun. Allez, du coup, je vous fais des bisous. Salut à tous. Ciao, ciao.